est avec nous également, avec Aéron Club. Applaudissements. Allez, on accompagne. Monsieur le maire Guillaume Lepers, qui est également là, le conseil municipal, à suivre l'UCAV, l'Union des commerçants et artisans de Villeneuve. Ils vont revenir, vous pouvez les suivre. Passer derrière eux et revenir, bien sûr, devant le stand. Thank you.
d'avoir animé cette parade de pilotes. On peut les applaudir, hein, s'il vous plaît. Et bien sûr, je vais demander à tous les pilotes de se rapprocher tranquillement. On va pouvoir même se rapprocher du podium, hein. Toutes et tous. Mesdames et messieurs, ah oui, c'est bon. Bonsoir à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc petite bourrasque pour fêter notre arrivée sur scène. J'espère que vous avez réussi à retrouver vos yeux. C'est bon? Vous nous voyez? Bon, en tout cas, très heureux de vous accueillir pour cette deuxième édition de l'Aéro Festival de Villeneuve-sur-Lot à Rongers, sur la magnifique base municipale de Rongers, qui, je vous le rappelle, est située, comme vous le savez, dans la plus belle bastide du sud-ouest, mais c'est important de le rappeler à chaque intervention. L'Aéro Festival, c'est une compétition sportive majeure, c'est un spectacle extraordinaire pour les passionnés et les amateurs, c'est un événement exceptionnel avec cette année, on va en reparler, la présence de la Patrouille de France pour ses 70 ans. Et c'est un vrai tremplin fort de la vie locale avec une semaine dédiée, excusez-moi, dédiée à la voltige. Il y a des trucs qui... Rigolez, vous verrez pour ceux qui passent après. Je tiens à remercier, bien évidemment, Mika Brajo, grâce à qui tout ça est possible, Philippe Jurquet et la mobilisation, parce que derrière eux, il y a énormément de monde, il y a beaucoup de bénévoles, et je tiens à ce qu'on les applaudisse très très fort, parce qu'ils sont nombreux, ils ont bossé comme des fous. Moi, juste pour vous dire que je suis heureux, parce que je suis toujours impressionné par la capacité de l'aéroclub à fédérer, et c'est très important, c'est pour ça que cet événement est une réussite, ils arrivent à fédérer autour d'eux, alors la mairie bien évidemment, et on sera toujours là pour vous accompagner dans cet événement. J'en profite pour remercier, parce qu'il y a les élus ici, tous les agents des services, parce qu'ils derrière, ils sont aussi dans l'ombre, mais ils bossent énormément. Remercier l'agglomération du Grand Villeneuve, l'Union des commerçants, grâce à qui vous êtes aussi en partenariat avec toutes les associations sportives autour de cet Aéro Festival. La réussite, et je pense que si c'est un événement aussi important et qui est devenu un événement national, n'est-ce pas, Monsieur le Président, merci d'être là, c'est grâce à cette capacité à fédérer. Et un petit mot, je laisserai la parole au Président tout à l'heure, je suis très heureux qu'ils soient encore là aujourd'hui, je sais qu'il est tombé amoureux de la ville, et je pense même qu'il va bientôt déménager, c'est ce qu'il m'a dit dans l'oreille. Et je tiens à remercier Monsieur Sella, qui est là aujourd'hui en parrain, c'est important parce que il a choisi... Je ne sais pas si vous savez qu'aujourd'hui, c'est une date importante. C'est non seulement l'inauguration de l'Aéro Festival, mais c'est aussi les 100 jours avant la Coupe du Monde. Et il a choisi la ville préférée de rugby, la ville la plus importante de rugby, Villeneuve-sur-Lot. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, c'est important pour la symbolique. Voilà. Maintenant, je laisse la parole à qui, monsieur... Monsieur le Président de la Fédération Française d'Aéronautique, Monsieur Jean-Luc Charron, qui va prendre le micro. Qu'on applaudit fortement. Et on peut l'applaudir, bien sûr. Alors, c'est pas moi qu'il faut applaudir, c'est les voltigeurs, c'est la compétition. Et là, franchement, je vous entends pas. Voilà, pour nos sportifs, pour Villeneuve, pour toutes les équipes qui mettent ça en œuvre, bravo. Bravo à Mika, bravo aussi à tout l'écosystème de Villeneuve. Alors évidemment, beaucoup de voltige, mais aussi pour la première fois, eh bien, l'avion électrique qui est exposé là. Et ça vous montre que eh bien, cette aéronautique est en train de faire sa transition énergétique, contrairement à tout ce qu'on peut entendre. Et effectivement, Villeneuve, avec son aérofestival, est la capitale nationale de la voltige. Et là, je dois dire, je ne suis pas du tout content, monsieur le maire. Parce que sur les panneaux, il y a écrit Villeneuve-sur-Lot, mais c'est tout. Il devrait y avoir marqué Villeneuve-sur-Lot, capitale nationale de la voltige. Voilà ce qu'il devrait y avoir marqué. Et je vous invite tous à faire une réclamation auprès de la mairie pour demander à ce que les panneaux soient changés. Merci beaucoup. Bravo. Bravo effectivement à toute l'équipe d'organisation. Et je voudrais appeler le président du club. Le président du club, Philippe. Alors je sais que vous n'aimez pas trop parler en public, mais là il n'y a personne. On est entre nous. Alors Philippe est le président du club de Villeneuve, de l'aéroclub de Villeneuve.
Il a piloté depuis un peu plus de 20 ans. Membre du club de Villeneuve depuis 1999. On peut quand même lui reprocher, parce que si on fait le rapprochement des dates, ça veut dire qu'il a commencé à apprendre à piloter ailleurs qu'à Villeneuve. Alors, je sais pas. Mais ça fait rien. C'est un Villeneuvois d'origine. Ensuite, rentré au bureau directeur de la fédération. Donc là, mes sources disent 2004 dans un cas, 2006 dans l'autre. Il doit y avoir un changement de poste. C'est 2004. Et puis, président depuis 2014. Faut l'applaudir très très fort. C'est un club qui a fabriqué des champions de voltige et un champion du monde grâce à cette école qui est ici. Et puis, Philippe, à titre personnel, il a si ma mémoire est bonne, c'est un Québec Novembre, un Cessna, c'est ça, son immatriculation. Et il a fait un certain nombre d'heures de vol, grand voyageur. En même temps, épicurien, amateur de bon vin. Et la fédération ainsi que la ville vont lui remettre des médailles. Et non pas pour tout ce que je viens de vous dire, pour l'excellence du travail fait à l'Aéroclub, mais Philippe, bravo d'avoir supporté Mika pendant autant d'années. Ça, faut... Voilà. Alors, je crois qu'on a une médaille. Il y en a une deuxième ici. Voilà. Philippe, j'ai le plaisir de te remettre au nom de la FFA cette médaille de la Fédération Française d'Aéronautique. Et depuis la création de la Fédé, c'est la 799e seulement. Voilà. Et on peut applaudir le président de la Fédération Française Aéronautique, M. Jean-Luc Charron, le président du club, bien sûr, Aéroclub, Philippe Jurquet, et le maire et le président de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois. J'ai l'honneur de vous remettre, Monsieur le Perse, la médaille de la ville de Villeneuve-sur-Lot pour tout ce que vous faites et pour ce que vous êtes. Merci beaucoup. Des photos de rigueur, et puis bravo à tous les trois pour cette belle entente, pour l'organisation de cet Aéro Festival 2023. Après la photo, eh bien, Mika, Philippe. Écoutez, pour moi, c'est une grande satisfaction aujourd'hui, parce que c'est l'aboutissement de 15 ans qu'on a commencé à débuter ces meetings pour aboutir à cet Aéro Festival 2023 avec la Patrouille de France qui sera un très très grand événement. Et c'est l'occasion de remercier un peu tous les services qui nous ont permis de pouvoir organiser ça. Nos sponsors financiers, bien sûr, parce que c'est sans eux, rien ne pourrait se réaliser. La fédération, qui est un grand support pour nous. Et bien sûr, la mairie, qui, à travers tous les services techniques, les services de com, les services de sport, tous les services complets de la mairie, se sont mis en quatre pour pouvoir réaliser ce festival. Je vous remercie à tous et je vous souhaite de pouvoir venir dimanche 4 juin assister à la Patrouille de France. Applaudissements pour le président Philippe Jurquet, le président de l'Aéroclub de Villeneuve-sur-Lot. Puis on va laisser la main. On peut lui remettre une petite couche d'applaudissements, s'il vous plaît. Et l'Aéroclub de Villeneuve aussi, là, on peut crier et puis applaudir pour Philippe. Je te laisse la main, Mika. C'est à moi ? Ah, c'est à toi. Bon. Merci à tous d'être présents. Je suis très touché, très heureux de ce moment officiel de remise de médailles de la Fédération Française Aéronautique, que je remercie par l'intermédiaire de Jean-Luc Charron, bien évidemment, Kevin Dupuche qui s'est déplacé également sur l'événement. Monsieur le maire, merci également pour le soutien de la ville et cette médaille bien méritée à notre cher et adoré président Philippe Jurquet. L'Aérofestival se lance aujourd'hui officiellement avec cette ouverture en ville, en centre-ville, parce qu'on voulait venir vous voir et venir à votre contact. On vous a même amené un avion ce matin, c'était la folie sur les réseaux sociaux, mais que fait cet avion au pied de la Tour de Paris? C'était notre petit plaisir, on espère que ça vous a fait plaisir et ça nous permet de nous lancer de façon efficace en cœur de ville avant de rebasculer les opérations sur le site de l'aérodrome de Roger. Je vous donne rendez-vous, comme le disait Philippe, toute la semaine à l'Aéroclub pour la compétition nationale de voltige aérienne qui regroupe plus de 40 pilotes ici présents qui ont défilé ce soir. Et on terminera en beauté le dimanche avec le gala, le grand spectacle aérien gratuit, avec la présence bien entendu de tous nos sportifs, des pilotes des équipes de France, des avions de démonstration, de voltige, de collection, des hélicoptères, en l'air et au sol à visiter.
On a préparé un site que vous connaissez très bien, que nous avons multiplié par 3 ou 4 en superficie cette année, pour vous accueillir encore plus nombreux. Pourquoi ? Parce qu'on accueille la Patrouille de France, je le répète, et on ne cessera de le répéter toute la semaine, dimanche 4 juin. Je ne pouvais pas les laisser faire cette remise de médaille uniquement, et je voudrais mettre en lumière, ici sur l'estrade, je vais appeler deux pilotes qui sont parmi nous cette semaine, qui compétiteurs de l'Aérofestival. Ils sont champions de longue date, ils travaillent ça depuis des années et des années. Ils sont membres de l'équipe de France, membres de l'équipe de France Unlimited, et ils sont tous les deux champions du monde. Je vais appeler à me rejoindre sur la scène, s'il vous plaît, Florent Audon de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace. Et je vais appeler également à me rejoindre sur la scène Louis Vanel de l'Aéroclub de Villeneuve-sur-Lot. Tous deux respectivement champions du monde 2019 et 2022. Vous prendiez-vous compte qu'on a quand même un champion du monde en titre qui est là pour le festival Florent Audon, et on a un champion du monde villeneuvois avec Louis Vanel. Messieurs, applaudissements pour ces deux sportifs de haut niveau. Je vous remercie. Applaudissez-les et je vous passe la parole à Philippe Sella. Philippe Sella qui nous fait le plaisir ce soir d'être avec nous. Je ne sais pas si on présente encore Philippe Sella. On va faire rapide, hein. Oui, allez-y. 111 sélections, ouais. 50 matchs en tournant les 5 nations, finaliste de la Coupe du Monde. C'était en quelle année déjà ? 87. 87, ouais, c'était ça. La première Coupe du Monde. Ouais. Exactement. Il faut se rappeler. Mais... Exactement. Et Philippe Sella qui nous fait le plaisir, on peut l'applaudir parce que il vient à la Villeneuve pour l'Aérofestival. Est-ce que l'aviation, est-ce que la voltige a... Ça vous dit quelque chose, Philippe Sella ? Est-ce que c'est un monde que vous connaissez un peu ? Je ne connais pas vraiment, en tout cas, mais j'ai vu. En fait, la Patrouille de France, ça parle beaucoup. Et je pense que c'est la Patrouille de France, c'est vraiment l'idoine pour représenter tout ce qui peut être fait après, ensuite, dans les différentes compétitions que vous faites vous-même. Donc je suis très heureux de faire votre rencontre aussi, parce que champion du monde je ne le suis pas. Bon, on n'était pas loin, mais bravo pour ce que vous faites aussi. C'est du sport de très haut niveau où il faut être très précis, il faut avoir vraiment de la santé physique exceptionnelle, et aussi voilà, il faut que ce soit branché, hein. Voilà, donc bravo, félicitations, et puis faites du spectacle, continuez, merci beaucoup. Monsieur le maire et Philippe Sella, vous allez pouvoir remettre un souvenir et une médaille également à Louis Vanel et Florent Audon qui vont s'avancer avec les parrains, le parrain Philippe Sella et le maire et le président de l'agglomération du Grand Villeneuvois. On remercie également la présence de monsieur Beaupuis qui est là en représentant de la députée madame Annick Cousin. Monsieur Michel Laville, adjoint au sport à la municipalité de Villeneuve, débute officiellement l'Aérofestival 2023. On se retrouve, bien sûr, pour ce soir, du côté de la contre-allée Georges Ley pour continuer la fête. Et dès demain matin, la compétition de voltige à l'aérodrome de Villeneuve-sur-Lot. Allez, tous les officiels au milieu, s'il vous plaît, du podium pour la photo de rigueur. Allez, la photo. Non, mais parce que... Oui, bien sûr, Lucas. Si, il a dit que Lucas était très présent. On remercie tous nos commerçants qui sont là pour nous aider et qui animent cette ville parfaitement bien. Non, il a remercié tout le monde, comme chaque année. Il met en avant tout le monde. Et moi, j'aimerais bien qu'on fasse Stay Innovation à Michael Brajou. Allez, on applaudit très fort. C'est lui. Allez, allez. Parce que ce mec est fou. Il faut le savoir, ce mec... Alors, moi je pensais déjà être un petit peu fou, mais je vous jure que lui, en termes d'idées, c'est pire. C'est toutes les 24 heures, toutes les 12 heures, il a toujours une idée. Je ne sais pas comment va finir l'Aérofestival dans 10 ans, mais au rythme où l'Aérofestival évolue, moi je ne sais pas où on va aller. Et tout ça, vous l'avez dit, c'est grâce au club, mais c'est aussi grâce à cette tête de pont qui est Mika. Donc bravo pour ce que tu fais. Bravo.